S'agissant de l'île de Manoka, je dois rappeler que au départ, Manoka appartenait à la Sanaga Maritime. C'était un arrondissement qui était dans la Sanaga Maritime. Mais pour des raisons de commodité fiscale, le grand industriel qui, le seul qui était là-bas, qui était un forestier, venait payer ses impôts à Douala. Donc, c'est au regard de ce problème-là que les autorités ont fini par dire, mais si c'est à Douala qui paye les impôts, autant mieux rattacher Manoka à la ville de Douala. Il y a donc eu une réforme qui a créé le 6e arrondissement de la ville de Douala et qui est Manoka, qui se trouve être en réalité une constellation de petites îles qui forment l'arrondissement. Manoka garde le nom pour désigner cet ensemble d'îles. Du point de vue administratif, ce n'est donc pas une seule île, mais c'est plusieurs îles qui ont pris le nom de l'île mère. Manoka, c'est aussi un peuplement assez diversifié, mais aujourd'hui essentiellement dominé par les ressortissants nigériens et d'autres ouest-africains, ghanéens et autres qui ont été attirés par les ressources halieutiques au large de l'océan Atlantique pour dans les eaux internationales camerounaises. Donc, ces gens se sont établis là-bas en très grand nombre et finalement, Manoka, qui était en réalité un peuplement du groupe communautaire Bakoko, est devenu en fait une mosaïque de population. La quasi-totalité des ressources halieutiques qui sont extraites dans cette zone-là connaissent une transformation sommaire. On sèche le poisson avec le feu de brousse, ce qui occasionne d'ailleurs une forme de désertification de cette île parce qu'il faut couper le bois pour faire ça. Et le reste, c'est des poissons vendus pour une partie aux chalutiers étrangers qui pêchent dans les eaux camerounaise, et la petite partie, c'est d'ailleurs la très petite partie qui est vendue à Douala comme poisson frais. Donc, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée et grosso modo, comme vous l'avez souligné, c'est la principale activité de la ville. L'activité touristique qu'on connaît aux localités insulaires de par le monde, Manoka n'en connaît pas, précisément parce qu'il n'y a pas d'électricité. À partir du moment où vous n'avez pas d'électricité, les investisseurs dans le domaine du tourisme, l'hôtellerie, etc. ne peuvent pas s'installer. Puisqu'on a rattaché Manoka à Douala, il n'y a pas de route, c'est une île. Mais on pouvait imaginer un rattachement à la partie continentale de Douala par un réseau, par exemple, de ferries ou de petites chaloupes, comme on en trouve en Côte d'Ivoire. Ici, Manoka est desservie par des pirogues artisanales, pirogues qu'on connaît dans nos cultures habituelles,
et qui ne sont même pas à une fréquence quasi régulière. En général, c'est une fois par jour qu'on organise à partir de là, du port de pêche de Yupé, des traversées pour aller à Manuka. Ce qui réduit donc considérablement l'intérêt pour les populations, par exemple, d'aller faire de la villégiature là-bas. Donc, l'activité touristique est quasiment inexistante. Je dois d'ailleurs rappeler que les autorités administratives de l'île de Manuka, enfin de ce sixième arrondissement, vivent dans la partie continentale. Le sous-préfet vit ici. Le maire lui-même vit ici. Il ne vit pas là-bas. Il va seulement là-bas et vous pouvez imaginer que ce n'est pas chaque jour. Donc, on peut parfaitement envisager qu'on aura des jours où il n'est même pas là-bas. L'essentiel des membres du conseil municipal vivent ici. Avec une telle situation, vous pouvez pas croire que Manuka peut gagner en essor sur le plan du développement. Premièrement, il faut appliquer la loi sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui prévoit que le maire et ses adjoints, en réalité, en fait, les membres de l'exécutif communal doivent vivre dans la commune. Il s'agit pas de savoir si c'est insulaire ou pas. Si vous avez choisi d'être maire d'une localité qui est insulaire, ce que le code général et même le bon sens vous demande, c'est de vivre dans la commune dont vous avez la charge. Les autres, on devrait même élargir cette exigence-là aux membres du conseil municipal. Parce que là, on a finalement des gens qui vivent à Douala et qui prétendent s'occuper des problèmes de Manuka. Manuka n'a jamais eu de représentant à l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de député originaire des populations autochtones de Manuka. Il n'y a jamais eu un député qui vit en plein temps à Manuka. Donc tout le monde est dans la partie continentale et les gens prétendent s'occuper de Manuka. C'est pour cela que vous voyez que la demande en termes d'allocation budgétaire est faible. Il n'y a personne pour défendre les budgets qu'il faudrait allouer à l'île de Manuka. Ici, il n'y a déjà pas de députés, encore moins de sénateurs. Donc, c'est une situation qu'il faudrait réformer en commençant par faire en sorte que Manuka ait les énergies de base, l'électrification et l'eau potable. Ce n'est pas parce que c'est une île que vous pouvez croire forcément que on a de l'eau potable. On n'en a pas. La SNEC n'a rien installé là-bas. Donc, il faut organiser un réseau d'adduction d'eau potable, soit sous forme d'exploitation des eaux souterraines, parce que, évidemment, comme c'est une île, on peut parfaitement comprendre que la nappe phréatique n'est pas loin, mais en même temps, elle peut ne pas avoir de l'eau potable. Donc, on peut avoir besoin d'une station de traitement pour la petite population. C'est d'ailleurs parce que ces équipements ou ces énergies de base manquent que la population a de la peine à se fixer là-bas. Globalement, j'ai défendu l'idée que il fallait, parce que c'est une composante de la ville de Douala et que les administrations en ont décidé ainsi, il fallait changer le regard qu'on devrait avoir pour la ville, l'arrondissement de Manuka.